Bonjour, j'espère que vous avez passé un bon week-end. On se retrouve aujourd'hui avec le fichier de maths. Nous allons ajouter des jetons unités et dizaines. Donc, c'est le jeu du chapeau. On va s'entraîner à utiliser ce qu'on a appris précédemment. Mais pour commencer, comme d'habitude, nous allons travailler sur l'ardoise un peu de calcul mental. Comme vendredi, je te décris un nombre et tu l'écris directement sur ton ardoise. Premier nombre, 4 dizaines et 5 unités. 4 dizaines et 5 unités. Normalement, tu as écrit les 4 dizaines sur la gauche et les 5 unités sur la droite. On continue? Deuxième nombre, 3 dizaines et 2 unités. 3 dizaines et 2 unités. Tu as fini. Tu as écrit les 3 dizaines à gauche et les 2 unités à droite. On continue. 7 unités et 6 dizaines. 7 unités et 6 dizaines. Tu as fini? J'espère que tu ne t'es pas trompé. Les 7 unités étaient à droite et les 6 dizaines à gauche. Ça faisait 67. On continue. 8 unités et 2 dizaines. 8 unités et 2 dizaines. Quel est ce nombre? C'était bien sûr le nombre 28. Les 8 unités sont à droite. Allez, un dernier sur l'ardoise, après on passera au fichier. 5 dizaines et une unité. 5 dizaines et une unité. C'est le nombre 51. 51. Très bien, mets ton ardoise sur le côté, ouvre ton fichier de mathématiques à la page 101 et on continue dans les petites ardoises. Si tu n'es pas prêt, mets sur pause. Alors, première ardoise du fichier. Une dizaine et trois unités. Une dizaine et trois unités. Deuxième ardoise. Quatre unités et cinq dizaines. Quatre unités et cinq dizaines. Troisième ardoise. Trois dizaines, huit unités. Trois dizaines. 8 unités. Quatrième ardoise. 2 unités, 1 dizaine. 2 unités et 1 dizaine. Et pour finir, 9 unités et 4 dizaines. 9 unités et 4 dizaines. On vérifie. Alors, peut-être que tu veux que je te les relise tous avant de vérifier. Une dizaine, trois unités. Quatre unités, cinq dizaines. Trois dizaines, huit unités. Deux unités, une dizaine. Neuf unités, quatre dizaines. Vérifions maintenant. 13, 54, 38, 12 et 49. C'est ce que tu as fait? Extra. Voyons maintenant le jeu du chapeau que tu as dans ton fichier. Tu vas voir la valeur des jetons ici. Nous savons qu'un jeton jaune vaut seulement un point. Un jeton vert vaut 10 points. Premier jeu du chapeau. Sous le premier chapeau, on met un jeton vert et deux jetons jaunes. Donc sous le chapeau, il y a un jeton vert et deux jetons jaunes. On rajoute un jeton vert. On veut savoir combien maintenant il y a de jetons verts
et de jetons jaunes sous le chapeau? Combien de jetons verts et combien de jetons jaunes? Ça y est, tu as complété? Je vais souligner en vert les jetons verts. Bon, vu qu'on en avait un et qu'on en a rajouté un autre, normalement, tu as écrit qu'il y a deux jetons verts. Étant donné qu'on n'a pas touché au jeton jaune, on n'en a pas rajouté, eh bien, normalement, sous le chapeau, il y a toujours deux jetons jaunes. Mais le jeu n'est pas terminé. Il faut savoir combien tu as de points sous le chapeau. Rappelle-toi ce qu'on a dit tout à l'heure. Un jeton jaune vaut un point. Un jeton vert vaut 10 points. Si sous ton chapeau, tu as deux jetons verts et deux jetons jaunes, combien as-tu de points au total? Alors, on peut le placer dans un tableau de numération. Puisque un jeton vert, ça vaut 10 points, c'est comme si c'était une dizaine. Donc, si j'ai deux jetons verts et deux jetons jaunes, c'est comme si j'avais deux dizaines et deux unités. Tu vois, Matix, il nous dit un jeton, c'est une unité. Une plaque verte, c'est un paquet de 10. Donc, c'est pareil, notre jeton vert, c'est 10 points. Donc, c'est comme une dizaine. Donc c'est très pratique, notre tableau de numération va nous aider à résoudre très très rapidement tous les autres exercices de cette page du jeu du chapeau. Qu'est-ce qu'on écrit du coup ici? 22 points. Deux dizaines, deux unités, ça fait bien 22. Regarde bien la nouvelle situation. Sous le premier chapeau, nous avons un jeton vert et un jeton jaune. Au milieu, on voit qu'on rajoute deux jetons verts. Complète d'abord. Combien va-t-il y avoir de jetons verts? Et combien va-t-il y avoir de jetons jaunes sous le dernier chapeau? Donc, complète déjà cette phrase. Combien de jetons verts? Combien de jetons jaunes? Ensuite, tu peux utiliser le tableau de numération pour calculer combien de points ça fait. Mais sur pause, on va vérifier. 3 jetons verts, 1 jeton jaune. Si je le complète dans mon tableau de numération, je peux dire que 3 jetons verts, c'est comme 3 dizaines et 1 jeton jaune, c'est comme une unité. J'obtiens donc 31 points. On continue? Troisième jeu du chapeau. Sous le premier chapeau, nous avons 3 jetons jaunes. Regarde ce qu'on rajoute dans le deuxième chapeau. Écris maintenant ce qu'on trouverait dans le dernier chapeau. Combien de jetons verts tu trouverais dans le dernier chapeau? Écris-le. Et pareil pour les jetons jaunes. On a trouvé 2 jetons verts et 4 jetons jaunes. Tu peux utiliser ou non ton tableau de numération pour compter combien de points ça fait. On continue. Je ne donnerai de réponse qu'à la fin. Tu vas faire tout seul maintenant le quatrième jeu du chapeau. On corrige maintenant le troisième jeu du chapeau. Évidemment, tu avais dû trouver 24 points puisque nous avions 2 dizaines et 4 unités. Pour le jeu du chapeau numéro 4, tu as dû trouver
52 points puisque nous avions 5 dizaines et 2 unités. Qu'avons-nous appris aujourd'hui? Nous avons appris que le nombre de jetons verts et de jetons jaunes peuvent être écrits dans un tableau de numération, ce qui nous permet d'obtenir le nombre de points sans faire de calcul. On se sert des règles d'échange de la numération. Un jeton jaune égale une unité, un jeton vert est égal à une dizaine, c'est-à-dire 10 unités. Dans le jeu du chapeau, un jeton jaune égale un point, un jeton vert est égal à une dizaine, c'est-à-dire 10 points. C'est la même règle d'échange. Ça nous est très utile pour calculer très vite le nombre de points au jeu du chapeau. Et voilà, on a terminé les mathématiques pour aujourd'hui. Je te laisse quand même avec une fiche d'exercice supplémentaire qui ressemble beaucoup à ceux qu'on vient de faire maintenant. Tu peux les faire tout de suite ou attendre un peu plus tard. Je te souhaite une bonne journée. À bientôt !